Voici la suite du voyage surprise. Nous sommes en pleine campagne et nous ne savons toujours pas où nous allons. Regardons les panneaux de signalisation et ma foi, après un long périple sur les routes de campagne, nous découvrons Auberge du Lac, située au sud d'Elbeuf. Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la sortie de printemps qui est organisée par Loisirs Amitiés, mais offerte par la municipalité. Je veux excuser Virginie Carollo, notre maire, mais qui a fait quand même une apparition ce matin au départ des bus. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Moi, j'étais préoccupé par le pointage des personnes qui montaient dans mon bus, mais elle a fait une apparition ce matin. Elle a essayé de monter dans les différents bus pour souhaiter
Je vais excuser également Patrice Pichon, qui généralement vient tous les ans nous accompagner. C'est l'adjoint au maire chargé des affaires sociales et du logement. Je tiens également à excuser Lisiane Duplessis, adjoint au maire chargé des animations, donc ils sont retenus par d'autres occupations. Je voudrais remercier de leur présence Marie-Françoise Boison, que tout le monde connaît, qui est l'adjointe au maire chargée de l'accompagnement des seniors. Nadine Bellego, conseillère municipale. Ça résonne, vous m'entendez quand même? Je veux également remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. Vous êtes aujourd'hui 301 personnes autour des tables. Nous avons eu 19 désistements, dont 6 désistements ce matin. Donc, mais ça peut arriver. Ça, vous savez, il y a des gens qui sont malades, qui sont hospitalisés, d'autres qui ont des décès. Donc, je tenais quand même. Voilà, à le dire. Aujourd'hui, je veux mettre à l'honneur tous les membres du conseil d'administration. C'est les gens qui se trouvent là-bas, à la table, près des fenêtres, là-bas. Tous ces gens qui travaillent dans l'ombre et qui m'accompagnent en tout temps. Donc sachez que c'est des gens qui méritent d'être applaudis. Vous m'avez demandé le soleil. Il est un peu timide pour l'instant, mais pour l'instant on a échappé à la pluie. Après le repas, vous pourrez aller profiter du parc, si vous le souhaitez, où vous pourrez danser avec l'animation HQM Musique, accompagnée de Mélusine. Avant de céder la parole à Marie-Françoise, je tiens à vous préciser que le retour aura lieu à 17h très précis. Je vous demande donc de bien vouloir respecter cet horaire et de bien vouloir rejoindre vos bus respectifs afin d'y être comptabilisés avant le départ. Ne changez surtout pas de bus. Je n'ai pas droit à la perte. Merci pour votre attention, je vous souhaite un excellent appétit, un bon amusement et je cède la parole à Marie-Françoise, notre adjointe au maire. Merci Gilbert, bonjour à tous et à toutes, à tous ceux que j'ai pas vus, j'en ai vu pas mal mais j'ai pas réussi à voir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous cette année, l'année dernière je n'avais pas pu vous rejoindre. D'abord, je suis accompagnée de Nadine. Nous devrons vous quitter avant la fin de l'après-midi parce que nous avons un conseil municipal ce soir. Mais je suis vraiment ravie de vous voir quand même nombreux, même si la date était un peu plus tardive que d'habitude. Et surtout dans ce lieu, alors moi ça me rajeunit, je ne vous dirai pas combien d'années, parce que... Mais quand j'étais jeune avec mes parents, ici on pouvait venir danser, manger le dimanche midi, puis danser. Donc il m'arrivait souvent de venir, j'avais 14-15 ans. Je ne vous laisse pas faire le calcul. Il y a quelques années. J'espère que vous avez passé une excellente journée, mais je voudrais surtout remercier toute l'équipe, évidemment son président Gilbert, parce que c'est un travail énorme d'organiser, de choisir, d'avoir sans arrêt les coups de téléphone, les gens qui viennent d'où, qui ne savent pas à quel endroit ils partent. C'est une gestion très lourde. Et puis, comme il vous l'a dit, espérer que les cafetiers seraient ouverts, malheureusement, ils l'ont fait au bout, tout du moins une période. Donc imaginez sa déception. J'espère que vous ne tenez pas rigueur parce qu'il fait tout ce qu'il peut pour que tout se passe au mieux. Donc merci encore à Gilbert et à toute l'équipe qui font un travail énorme d'organisation pour tout ce que la ville leur demande de faire. Que ce soit l'emploi de
la sortie, le goûter de Noël et les colis. Alors, je pense qu'on peut les applaudir très fortement et bonne après-midi à vous. Merci, madame.
Voilà, nous avons passé une agréable journée et on se donne rendez-vous l'année prochaine.